le calao a quelques soucis pour croquer sa proie. Havre de paix au milieu du parc, Alali Lodge est agrémenté d'un point d'eau. Des acteurs majeurs du parc entrent en scène dès notre arrivée alors que les voyageurs rencontrés en chemin n'ont rien vu. Que le show commence. Les éléphants vivent en groupes familiaux organisés autour de la plus vieille femelle, la matriarche. Toutes les femelles sont apparentées et élèvent les petits. Les jeunes mâles sont chassés vers 15 ans, puis se regroupent ou plus rarement vivent seuls. Clans familiaux et mâles se rencontrent pour l'accouplement. En se balançant, l'animal remet de la pression dans ses artères. Comme chez l'humain, faire deux ou trois pas vivifie les jambes. C'est l'heure de goûter, le petit a faim. Nous sommes lundi, c'est le jour du bain pour certains. Lorsque le mâle dominant arrive, tout ce petit monde s'écarte. Quatre grosses dents qui tombent et repoussent 5 fois dans toute sa vie. Dès qu'elle tombe la 6e fois, là l'éléphant atteint déjà l'âge de 60-65 ans, les dents vont plus pousser. Et à ce stade-là, c'est la famine qui va tuer l'éléphant, parce qu'il passe toute sa journée à manger. Par contre, les défenses ne tombent pas. Mais dès qu'une des défenses est cassée, elle ne va plus pousser. C'est pas comme les rhinons. Les rhinons, on peut couper les cornes et ça pousse, ça repousse. Mais si l'éléphant, non. Si les défenses sont coupées, donc il reste comme ça.